Sous la constellation du lion, qu'est-ce que tu manifestes? Oh, bad credit, debt, unemployed. Euh, mauvais crédit. Alors, tu sais, aux États-Unis, on a des, des systèmes de, de crédit, de score, de credit score. Euh, par exemple, quand tu payes tes. Quand tu payes tes charges, quand tu fais des crédits, mais que tu les respectes bien, quand tu as un bon score de, de crédit dans le sens où on peut te faire confiance avec l'argent, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est en lien aux dettes, à l'endettement et euh, à un problème d'emploi, de, de travail, de carrière. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver de travail, tu n'arrivais pas à trouver de travail jusque-là. Peut-être qu'il y a un problème en lien à ton rapport à la dette, à l'endettement, au crédit, à l'argent au travail, à la vocation, à la contribution. Qu'est-ce qu'on a La reine du denier, le 3 du denier et le diable. Pour beaucoup d'entre vous, si vous aviez des problèmes financiers, vous êtes en passe de tous les régler, mais d'une manière assez magistrale. C'est-à-dire que une intention de souveraineté physique, relationnelle, matérielle et financière dans votre vie est en train de vous pousser à vivre une véritable transformation en lien justement à des considérations liées aux ressources partagées, aux taxes, à la fiscalité, à l'argent, aux dons, à la donation, à l'héritage, à la dette et à l'endettement. Ça vous amène à vivre une une implication, un investissement très puissant avec le 3 du denier en poisson en maison 10, une collaboration, une association qui fonctionne merveilleusement, peut-être un nouveau travail que vous acceptez et sinon une nouvelle opportunité professionnelle que vous vous proposez et qui donne de véritables fruits puisque vous générez immédiatement avec le diable en lion en maison 3 euh, une illumination, une libération énergétique puissante et vraiment lumineuse, vraiment... Qui vous allège le cœur vis-à-vis de considérations qui pouvaient vous avoir réclamé beaucoup en termes de communication, de mobilité euh, et qui, pou qui pouvaient vous avoir rendu très attaché, très omnubilé, très obsédé par euh, des difficultés en lien à l'argent et au travail, possiblement notamment. Vous vous libérez de ça complètement en vous engageant à rayonner pleinement complètement et c'est immensément porteur pour vous pour d'autres malheureusement euh, mais vous, vous saurez où est-ce que vous en êtes et ça vient de, du comportement vous allez vous allez savoir quel est le comportement que vous êtes en train d'adopter et sinon quel est celui que vous pourriez gagner à adopter et qui va vous amener à une belle manifestation avec le diable sur le plan physique, relationnel, matériel et financier, et c'est sublime pour beaucoup d'entre vous. Mais pour d'autres, il y a une difficulté à recouvrer une forme de souveraineté physique, relationnelle, matérielle et financière qui vous réclame de vous investir sur le plan professionnel, vocationnel et contributif. Et pour une raison que vous ignorez, vous n'y arrivez pas possiblement. Il y a un problème de concentration d'énergie et de concentration d'une disponibilité psychologique et émotionnelle que vous n'avez pas parce que d'une manière ou d'une autre, vous la mettez au service d'une relation ou d'un Interaction avec une personne que, qui vous attire ou de laquelle vous aimeriez obtenir une forme de réassurance de son attirance à votre égard sur le plan créatif, amoureux, sensuel, sexuel ou parental de projets comme d'enfant. On vous demande de vous libérer de cette obsession qui est en train littéralement de vous saboter vis-à-vis -vis de votre rapport à l'incarnation dans tout ce qu'il comporte sur le plan physique, relationnel, matériel et financier, de vous concentrer sur ce que vous avez à, à gérer au cœur de votre quotidien et de vous investir concrètement euh, dans une profession, une vocation, une contribution au monde qui puisse vous rapporter immédiatement de vous sentir soutenu financièrement dans une stabilité que vous devez regagner possiblement pour certains, certaines d'entre vous c'est limites, prends tout ce qui te vient parce que depuis ton énergie de Lion, tu vas de toute façon illuminer la scène sur laquelle tu vas te proposer de vivre ton travail. Ça peut être des gens qui sont hyper diplômés à qui on à qui on demande d'accepter un travail qui ne réclame peut-être pas leur diplôme. On leur dit allez-y quand même, acceptez quand même parce que c'est pas tellement ce qu'on vous propose qui va changer la donne pour vous et qui va vous libérer. Euh, Notamment dans votre pouvoir créatif, sensuel, sexuel, amoureux et parental de projets comme d'enfants, mais c'est plutôt ce que vous allez en faire en l'acceptant. Ok C'est ce que j'ai là. Apparemment, à affaire au trois du denier. Euh, il est possible que t'aies affaire à, à quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, entretienne Énormément de relations au travers notamment de l'exercice de son pouvoir comme de son autorité sur la scène de sa vie professionnelle, vocationnelle et contributive. C'est une personne qui pourrait entretenir énormément de relations visant à lui permettre d'obtenir d'être euh, adoré ou. C'est quelqu'un qui fait l'objet d'une obsession euh, créative, amoureuse, sensuelle ou sexuelle, ou sexuelle très poussée, genre. C'est quelqu'un qui, qui est très demandé, qui est très adoré, qui est euh, très euh, contemplé. Euh, c'est quelqu'un que beaucoup de gens considèrent comme étant une personne attirante, tu vois l'idée. Et c'est une personne qui, d'une manière ou d'une autre, s'en nourrit véritablement euh, au travers de ses communications, de sa mobilité et de tout ce que cette personne expose au travers de ses communications et de sa mobilité, quelle qu'elle soit. C'est quelqu'un qui s'expose pour obtenir l'attention d'un maximum de personnes parce que d'une manière ou d'une autre, ça lui permet de générer comme expérience la reine du denier. Sur le plan professionnel, vocationnel et contributif, c'est quelqu'un qui génère davantage de pouvoir et d'autorité depuis apparemment ce que cette personne se propose de faire, mais qui est caché dans ses véritables intentions. C'est quelqu'un qui cherche une attention, mais sans en exposer la cause et qui veut s'attacher les faveurs d'un maximum de personnes pour pouvoir espérer prospérer euh, sur la scène de sa vie professionnelle, vocationnelle et contributive, apparemment. C'est à cette personne que vous avez affaire, possiblement. Qu'est-ce que cette personne te dit si tu t'arrêtes là et que tu ne vas pas en extension Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui te dit... Euh ou elle n'a pas de plan de prévu. c'est quelqu'un qui, qui a une mauvaise gestion apparemment physique, relationnel, matérielle et financière. C'est pas quelqu'un de flexible et c'est pas quelqu'un qui se prépare pour des jours qui pourraient être moins euh, favorables que ceux que cette personne est en train de vivre. Donc c'est quelqu'un d'immensément dépensier euh, qui n'a pas d'une grande capacité d'adaptation de d'investissement sur du long terme. C'est quelqu'un qui s'investit pas sur le long terme. C'est quelqu'un qui jouit de la vie au jour le jour et c'est une personne qui te dit rambling rose inversé. C'est pas quelqu'un qui veut se retrouver seul ou qui veut euh, c'est pas quelqu'un qui est capable de vivre une, une, depuis une capacité d'introspection. C'est pas quelqu'un qui vit une introspection véritablement. C'est quelqu'un qui veut. C'est quelqu'un qui te dit je veux pouvoir euh, partager de bons moments avec toi, des moments joui jouissifs. Mais j'ai pas d'autres plans prévus que cela vis-à-vis -vis de toi pour l'instant. Ok. C'est quelqu'un qui profite du moment présent avec qui il vient, mais qui fait pas de plan en termes d'investissement sur du long terme dans ses relations, qu'elles soient professionnelles ou plus personnelles. On va voir quelle est l'intention, l'état émotionnel, le comportement que cette personne compte arborer à ton égard, qu'est-ce que cette personne compte manifester à ton égard comme à tes côtés, comment est-ce qu'elle participe à ce que tu puisses te libérer d'un enchaînement ou d'une obsession vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis -vis de lui, en t'engageant davantage à destiner de manière beaucoup plus délibérée tes communications comme ta mobilité à une meilleure, apparemment, à une meilleure expérience de souveraineté physique, relationnelle, matérielle et financière, pouvant venir te soutenir dans tes aspirations créatives, amoureuses, mais également parentales de projets comme d'enfants. Ok Si tu t'arrêtes là... Quel est le conseil qu'on te donne To rise, you must let go of fear. Pour pouvoir t'élever, pour pouvoir te libérer, tu dois pouvoir te libérer de la peur. C'est tout ce que j'ai pour toi pour maintenant. Je te dis à tout de suite, si tu continues sur www.thecosmicjoker.fr, si tu t'arrêtes là, je t'embrasse très fort et je te dis à plus tard pour d'autres manifestes comme celui-ci. Quoi qu'il arrive, c'était The Cosmic Joker et que Dieu te bénisse.